oublié. En tout cas, m'attendez pas pour manger. Et on peut savoir où tu vas? Une soirée, un truc de jeune. Scampi, je te rappelle que mamie vient dîner. Ben, vous l'embrasserez de ma part. Moi non plus, je serai pas là. Ah, ça suffit, pas d'histoire, tout le monde sera là. Oh, j'en ai ras les écoutilles de cette maison, morue de fiente de ton. Ça va, papa? Ça va, ça va. Tu cires tes bottes? Non, tu vois bien, je fais de la plongée sous-marine. Oh, le beau poisson, et puis là, oh, la belle étoile de mer, là. Dis, papa, t'es toujours à 50-50 avec maman pour l'éducation des enfants? Normalement, oui. Mais tu connais ma générosité. C'est pas rare que je lui laisse ma part. Si toi, tu m'autorises à sortir, elle pourra plus dire non. Ah, logiquement, oui. Alors, tu m'autorises, hein, mon papa chéri? Ma gentille petite Scampi. Alors, tu veux bien? Non. Ça me ferait mal de savoir que tu t'amuses pendant que je suis obligée de supporter la belle-mère. Wow! J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre! Et ma petite Scampi, merci pour les papouilles. Droit devant! Eh, c'est quoi cette île? D'après la carte, elle s'appelle l'île au miasme. Eh? C'est bizarre, elle a l'air rayée. Elle est peut-être dangereuse! Si ça se trouve, il y a des cacas! Oui, c'est ça, ma chicoulie, des cacas! Des cannibales! Et si cette île est rayée, c'est pour détourner l'attention! Ça veut donc dire qu'elle est intéressante! On y va! Vous vous intéressez aux poules, capitaine? Oh, la ferme, frac! On ramasse tout ce qu'on peut, mais on dégage. Au boulot, les gars! C'est comme un super coco, sauf qu'on passe pas à la caisse. Oh, c'est pour maman. Bonjour, ma chicoulie! Je suis Odette, le squelette. J'ai 32 dents, 12 paires de côtes et un crâne fêlé. T'as de beaux yeux, tu sais. Merci. À la suivante. Non, c'est... Saleté de volatile. Allez, je vous invite à boire un coup pour fêter ça, les gars. Méchant, méchant. Et la litière qu'on t'a achetée, hein? À quoi elle sert? Sans parler des trous dans le gazon. De toute façon, je porte plainte. Les agents de la police pirate seront ici dans quelques minutes. Elle est où, ta sœur? Dans sa chambre. Elle se fait belle pour toi. Coucou! C'est moi! Essuyez vos pieds, hein. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, au fond, c'est pas plus mal. Tu vas assister à mon triomphe. Alors, Hermine, ça t'embouche un groin, hein? Au fait, c'est plus la peine d'aller sur l'île au miasme. On a tout pris. Vous êtes allé sur l'île au miasme? Eh oui, mon petit gars, et avant toi. Dis-moi que c'est pas vrai, Victor. Pas sur l'île au miasme. Puisque je te le dis, sur l'île au miasme. Aussi alors. Oh! Il au miasme! Au miasme! Oh! On va tous mourir! C'est affreux! C'est affreux! Je savais que tu faisais une erreur en l'épousant, Lucille, mais à ce point-là. Eh ben quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Elle avait l'air normale, cette île. Tu vois une grosse croix sur la carte et tu y vas quand même. Et tu te demandes pas pourquoi elle est là, cette croix. C'est pas une croix qui va me faire peur. L'imbécile. Oh, ça va, toi, le jaloux. À cause de lui, on est tous contaminés. Hein, madame? Lèche-botte. Évidemment qu'on est tous contaminés. L'île au miasme a été rayée de la carte à cause du gratulisme du poulet. Un virus qui a décimé la population. Connais pas. Tout le monde le sait qu'elle est encore infectée. Tout le monde, sauf Victor McPernick et son équipage, bien entendu. Ah,
Ces histoires de miasmes et de poulets, c'est des foutaises. Personne n'est malade pour l'instant, hein? Oh. Et ben quoi? Oh, la face de mes roues pourries! Viens, Pénélope, on rentre. On va rester encore un peu, finalement. Victor Macopernic, quarantaine sanitaire. Si vous sortez, on tire sans sommation. Salut, Stormy. Au revoir, Jojo. Oh non! Ils m'ont pas fait ça! Pour une petite escapade d'une nuit? Halte! On ne passe pas! Mais c'est chez moi! Je suis Scampi Macbernic! Le périmètre est interdit, mademoiselle! Aucune entrée, aucune sortie! Hé, hey, c'est Scampi! Ouh, Scampi! Hé, hey, c'est Scampi! Elle va nous tirer de là! Scampi! On est là! Scampi! Scampi! Rosemary et Marie-Rose sont toutes seules à la maison! Va les voir! Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Nous ne pouvons prendre aucun risque de contagion! Il y va de la survie de notre île! Vivement qu'ils soient tous morts, qu'on puisse brûler la maison! Eh ben quoi? On n'est pas bien là, tous ensemble? Hein? Une vraie colonie de vacances! Une vraie colonie de vacances! On n'est pas bien là, tous ensemble! Personne n'a envie de mourir. Faut que tout le monde y mette du sien, sinon on s'en sortira pas. C'est vrai quoi? Il y aura peut-être des survivants. Pour commencer, on va faire un planning d'occupation de la salle de bain. Mais oh, oh, vous ne comptez pas, hein, ma Lucille. Les nouveaux cabinets sont creusés. Tu peux y aller, ma chicoulie. Attention! Un, deux, trois, yaou! Non! Ça fait rater notre saut de la mort! T'es méchante! Je suis votre nouvelle babysitter, ok? Vous allez voir, ça va bien se passer. T'as rien à nous dire, t'es pas notre maman. Qu'est-ce qu'on va te dire? Des cadavres. Oui, mais des cadavres propres. C'est mieux pour la dissection. Hé oh, ça fait une heure que vous êtes là-dedans. La physique comme le mien, ça s'entretient. Au fait, il y a plus d'eau chaude. Quoi? Oh. Oh. Tu fais quoi? Et pourquoi t'as pris notre lance-pierre? Tu sais, ma chérie, nous deux, c'était une belle histoire. Je te souviens quand on s'est rencontrés. Ah, c'est sûr, j'ai pas toujours été très gentil avec toi, ma petite cocotte, mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oh non, embrasse-moi. Scampi a gratulé, Scampi a gratulé, répondez. Mais qui cause? C'est toi, ma cocotte? Scampi a gratulé, répondez. Ah bah non, ton bec bouge pas. Mais c'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Oui, ça marche! Papa, papa, c'est moi, c'est Scampi! Oh, Scampi! Mais qu'est-ce que tu fais dans le coquillage? Je ne suis pas dans le coquillage! Je suis à côté, chez les requins! Ça se passe bien pour vous? Attends, attends! J'appelle ta mère! Vous allez pouvoir parler à votre maman! Scampi, il faut que tu nous sortes de là! Je supporte plus Irvine.
J'ai entendu, Victor. Comment vont les filles? Bonjour, Scampi. Tu nous vois aussi? Oh. Scampi, on n'en fait plus! Sors-nous de là! Oui, on peut guérir! Oui, on peut guérir! On peut guérir! Bon ben, je vous rappelle ce soir. Elle est bien, ma fille, hein? Vous croyez que je peux appeler ma maman avec le coquillage qui parle? Et pourquoi pas l'autre bout du monde pendant que tu y es? Il est bête. Au début, tout va bien. Ensuite, les pustules apparaissent. Puis viennent les démangeaisons affreuses. Ensuite, le malade se prend pour une poule. Et enfin... Oh non, non, ça c'est trop dur. Il n'y a pas de remède? Et non, Scampi, hélas. Un voyage sur l'île aux miasmes, ça ne pardonne pas. T'as oublié Chouchou. Marcelle, toi, vous avez vu les gouanes? Oh là là, le ménage. Quelle corvée, hein. On n'a jamais fini. Alors comment ça va, vieille chigotte? Dis-moi, jeune fille, ton père, c'est 1m75 qu'il mesure, et ta mère, 1m65, c'est ça? Ils sont pas encore morts, espèce de tête de con! Et d'abord, je vais trouver le remède! Ben quoi? Je ne fais que mon travail, moi. Oh, c'est toujours pareil, ces salles d'attente. Que des revues d'il y a 6 mois. J'aurais tellement voulu revoir Scampi avant de mourir. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Les meilleurs, c'est vite dit. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça, Erwin? Je n'ai pas encore décomposé, que je sache. J'en suis pas si sûr, capitaine. Au premier de ces messieurs. Alors, comment on se sent aujourd'hui? Ouf, coussi coussin. Et vous avez de la chance d'avoir un médecin sur place. Ah, ça te fait plaisir. Un hôpital pour toi tout seul. Faites... Voyons voir les réflexes. Ouais, le mal vous gagne. Ah, au fait, j'ai quelque chose à vous faire signer. C'est quoi ça? Une formalité. Et comme quoi vous donnez votre corps à la science. Et la science, c'est toi? Ben oui! Et ben voilà! Ça y est, j'ai retrouvé mes réflexes! Scampi a gratulé! Ah, c'est toujours toi qui réponds! Je t'écoute, Scampi! J'ai rien trouvé, pas! Le gratulisme du poulet, ça se guérit pas! Je sais plus quoi faire! Eh oh! Tu vas pas nous laisser tomber, hein? Ah, si j'étais à ta place, ça ferait longtemps que le problème serait réglé! Tu parles? Toi, tes solutions, c'est d'aller voir Madame Tarama. Eh ben quoi? Quand il voit plus très clair, va voir une voyante. Papa? Ouais? Vous manquez. Je sais bien qu'on se dispute de temps en temps, mais là, je me sens toute seule. Bigorneau est avec toi? Ouais, il est là. Bigorneau, tu m'entends? Il t'entend. T'es vraiment le petit frère le plus chouette que j'ai jamais eu. Pleure pas, Bigorneau. Vous allez peut-être guérir. Je vois pas comment, mais il faut y croire. Je te l'ai encore jamais dit, mais tu sais, je t'aime. Très fort. On n'aime pas ça. On veut le dessert tout de suite. Vous mangez ça d'abord. D'accord, Scampi. Je suis crevée, je monte. Vous ferez la vaisselle avant d'aller vous coucher. Oui, Scampi. Dis, Scampi, tu vas être notre babysitter longtemps? Lucille. Tu crois pas qu'on devrait... Enfin, je veux dire... Bon, tu sais bien, quoi. Nous deux, on pourrait... T'imagines? Si on mourait cette nuit, en plein sommeil? Oh, ça m'embêterait de me réveiller mort sans l'avoir fait une dernière fois. Oui, ce serait bête. Alors c'est d'accord, on le fait, ma petite sardine argentée. D'accord, mon gros mérou boutonné. Vas-y, Victor, à toi. Attention, j'arrive. Et hop, hop, et...
Pas un lagon bleu paisible. Tu trouves pas que ça sent le brûlé? J'ai pourtant rien au fond. Alors, c'est pas une bonne idée, les gars? Non, mais ça va pas. On s'est dit qu'il manquait une cheminée dans votre salon. Je craque. Je craque. Je craque! Courage, Lucille. Tu sais, la vie n'est pas un lagon bleu paisible. Je vois malheur, je vois flamme, je vois mort. Vous voyez pas plutôt un remède, un antidote, Madame Tarama? Ça m'arrangerait. Dans ce cas, il me faut la boule au miracle. Bon. Je vois malheur, je vois flamme, je vois mort. Vous êtes sûr qu'elle marche, votre boule au miracle? Ingratulé, c'est échappé. Alerte! Alerte! Ingratulé, c'est échappé. Alerte! Scorpion ingratulé! Scorpion ingratulé! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Répondez! Répondez! C'est ton père, Scorpi. Il est parti. Formons une milice pirate. Ouais! Il faut l'empêcher de contaminer l'île. Il ne verra pas le jour en se lever, ce gratulé. Retrouve-le, Scorpi, avant qu'il soit trop tard. Et le remède, Scorpi? As-tu trouvé le remède? Non, Pénélope, j'ai rien trouvé. Même un miracle ne vous sauverait pas. Bah, j'ai continué, il m'a monté le... T'inquiète, ma poule, on va s'en sortir. Il est là! Attention, il est contagieux! Ouais! À mort le gratulé! À mort le gratulé! À mort mec perdu! À mort le gratulé! À mort mec perdu! Grâce mec perdu! Tout est fait, mec Bernic! Le premier qui approche, je l'embrasse! Non! Laissez-moi mourir tranquille! On descend, vite. On finira bien par le retrouver. Et je crois qu'on les a fumés. Papa? Papa, t'es là? Papa? Non, 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 t'approches pas. Je suis contagieux. Comment t'as deviné que je viendrais là? Facile. Ça fait 3 jours que tu n'y as pas mis les pieds. J'étais sûre que ce serait ta première visite. Comment tu te sens, papa? Oh, ça me démange de partout. Mes pieds ont doublé de volume. J'ai la langue chargée. Ben, à part ça, ça...
La mort le gratulé. Ouais, à lui ses pistules. Tu es mort, McDernick. Arrêtez. Oh, ça alors. Regardez, les pistules disparaissent. Le voilà, le remède. C'est le jaune d'œuf. C'est vrai. J'ai la peau lisse et douce. Souple comme une peau de fraîche. C'est pourtant vrai. Oh, ma cocotte. Tu m'as sauvé la vie. Quoi? Ah, j'ai entendu, il a fait quoi? Pareil pour toi. Arrête, ça y est, c'est fini, j'en ai plus. Mais si, on sait jamais, faut être sûr qu'ils sont guéris. Alors, vous voyez bien qu'ils sont guéris? Autant pour nous, jeune fille. On lève la quarantaine. Scampi, tu sais, pour ce que tu m'as dit l'autre fois dans le coquillage, pour moi, c'est pareil. Mais c'est parce que t'as encore des pustules. Mais non, c'est de l'acné. Qu'est-ce qu'il a, non? Qu'est-ce que je lui ai dit?